Ce jeudi, les proches de Dominique Bernard, le professeur tué à Arras, seront réunis pour ses obsèques. Alors que l'Élysée a confirmé la présence d'Emmanuel Macron, la première dame, Brigitte Macron, sera-t-elle à ses côtés? L'impensable ceste produit le vendredi 13 octobre, alors qu'un individu ceste introduit dans un collège-lycée d'Arras, poignardant à mort un professeur, Dominique Bernard, qui avait tenté de s'interposer. Un geste héroïque salué par Emmanuel Macron, qui a affirmé qu'un intervenant, le professeur avait sans doute sauvé lui-même beaucoup de vies. Dominique Bernard ne retrouvera pas ses salles de classe. Vendredi dernier, alors qu'il tentait de protéger ses élèves, il est tombé sous les coups du terrorisme islamiste. Un professeur d'éducation physique et sportive, un agent d'entretien et le chef de l'équipe technique de l'établissement ont également été blessés, pris de leur courage, avait déclaré Emmanuel Macron, dans une lettre adressée aux professeurs et aux élèves avant le retour en classe. Un an après la mort de Samuel Paty, l'horreur et la peur se sont de nouveau installées en France, et notamment au sein de la communauté éducative, à laquelle a appartenu Brigitte Macron. Je sais ce que c'est que d'appartenir à une communauté éducative. Je sais combien ils souffrent. Je veux leur dire combien on est avec eux. Les parents aussi se manifestent. Nous sommes une communauté, les profs, les élèves, les personnels, a déclaré la première dame, après le drame. Emmanuel Macron sera-t-il présent aux obsèques avec Brigitte? Ce jeudi 19 octobre, les obsèques de Dominique Bernard auront lieu à la cathédrale d'Arras, et seront présidées par l'évêque d'Arras Olivier Le Borgne. L'Élysée a d'ores et déjà confirmé la présence d'Emmanuel Macron, qui devait initialement se rendre dans l'Aisne pour inaugurer la Cité internationale de la langue française. Selon les informations du Parisien, Brigitte Macron sera elle aussi présente, aux côtés de son mari, pour les obsèques du professeur. Un rendez-vous qui promet d'être fort en émotion, tant l'assassinat de Dominique Bernard a profondément choqué les esprits. Diaporama, voir le diaporama.